Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'astuce numéro 2. L'astuce numéro 2 consiste à enlever le logiciel à démarrage automatique. Je sais, je l'ai déjà fait, mais pour comme c'est compris dans toutes mes astuces, voilà, je voudrais la mettre aussi. Donc c'est aussi pour accélérer le démarrage en même temps. Donc tout le monde peut le faire aussi. Il n'y a pas d'inconvénient. Donc n'hésitez pas. Donc c'est très facile, vous allez dans démarrer, vous tapez msconfig tout en attachant le mot, vous aurez msconfig.exe. Peut-être que cette fonction-là fonctionne peut-être pas, en tout cas pour Windows 7 ça fonctionne, mais pour d'autres ordinateurs je ne sais pas. À vous d'essayer. Sinon si ms ça fonctionne pas, mettez configuration du système, peut-être que vous l'aurez. Donc normalement vous ça sera sur démarrage normal, ça sera comme ça. Donc démarrer là-dedans, on le laisse tranquille. Ça concerne le truc qu'on concerne, c'est ça. Donc vous aurez des trucs tout cochés. Bon, moi j'ai tous ces remis. Il faut que je les installe. Donc Intel, ça, tous ces Intel là, on les enlève pas. Google Toblan Notificateur, on peut enlever. UTorrent aussi. Steam aussi. Ça aussi. Ça, Rare Games, on s'en fout, on peut l'enlever. Adobe Reader, on peut l'enlever aussi. Je regarde, hein. Acer, HD, ça on peut l'enlever, ça. Tout ce qui est inconnu, donc ce qui n'est pas la fabrique de votre PC, vous pouvez l'enlever. Parce que ça servira très certainement à rien. Mais vous faites attention quand même à ce que vous allez décocher. C'est un petit conseil. Donc HD Audio Pas, ça on peut l'enlever aussi. Donc ça aussi. Red Monitor, c'est un tel. Quand vous savez pas, vous allez là et vous déplacez l'emplacement. Et vous regardez à quoi ça correspond. Généralement. Sinon, vous déplacez commande et vous aurez le logiciel qui est dessus. Donc moi je vais rétrécir ça pour pouvoir voir en entier. Donc ça on peut l'enlever. Ça aussi. Power Manager, ça concerne quoi? Ouais bon ça aussi on peut. On s'en fout. Launcher Manager. Ouais, bon, ça sert à rien. Red Events on laisse. Assure Gaia, je sais pas quoi c'est. Ah, ouais, ça concerne ça. Ok, ça on peut l'enlever. Et voilà, tout ce que j'ai enlevé là, bah, c'est déjà beaucoup de choses en moins. Et votre PC pourra démarrer beaucoup plus vite. Tout ce qui est UTorrent, Steam, Skype, tout ce qui concerne les jeux vidéo, logiciels, vous pouvez enlever. Mais ce qui est pilote et tout, des Intel ou autres, ne les enlevez pas, je vous conseille vivement, parce que sinon ça pourrait dérégler par exemple votre ordinateur et votre démarrage pourrait non pas accélérer mais ralentir dangereusement. Et parfois, certains ordinateurs, quand ils font ça, bah ça pose problème pour le PC et ça, le bah vous n'arrivez plus à le démarrer et voilà. Donc quand c'est fait, hein, on clique sur appliquer. Ok. Et là, ils vont vous demander de redémarrer. Un petit conseil, redémarrer, parce qu'au moins, vous verrez la différence entre un démarrage sans faire ça et un démarrage en faisant, en désactivant tout ça. Bah, je vous dis, mais je crois que ça va changer. Ça va démarrer beaucoup plus vite. Vraiment. Donc j'espère vous avoir aidé sur cette deuxième astuce. Abonnez-vous et likez cette vidéo. Partagez cette astuce si elle vous a plu. Et on se dit à très bientôt pour la troisième astuce. Très très bientôt. Ciao ciao ciao!